Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mkolo, comment allez-vous? Eh bien, moi ça va super bien, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rediffusion du live du samedi 14 février 2015. Donc, c'est la première partie de la rediffusion, la partie le monde de Mkolo, parce qu'en fait, le live est divisé en deux parties. Il y avait la partie où on était sur le monde de Mkolo et une partie où on était sur le serveur Fluity. Donc là, bah, c'est l'épisode 20 du monde de Mkolo, donc c'est la rediffusion de la partie du monde de Mkolo. Et il va y avoir la rediffusion de la partie où on était sur Fluity, voilà. Mais avant de commencer cette rediffusion, eh bien, je voulais juste vous remercier, vraiment du fond du cœur, parce que ce live pour moi a été juste énorme. Donc je remercie les personnes qui étaient là du début à la fin, je remercie les personnes qui sont restées 2 minutes, je remercie les personnes qui étaient là que à la fin, et je remercie les personnes qui sont restées que au début, et je remercie aussi les personnes qui n'ont pas pu venir mais qui auraient pu venir, parce que bah, c'est pas grave de toute façon. Et samedi 28, eh bien, je fais également de nouveau un live. Donc je voulais vous remercier parce que ce live pour moi a été une putain de réussite. Ça fait vraiment depuis le début que je fais des lives en fait. C'est la première fois que j'ai pas... Enfin, non, pardon, c'est la première fois que j'ai eu cette sensation d'avoir réussi quelque chose, d'avoir... Enfin bref, voilà, pour moi ce live a été une pure réussite. Je me suis beaucoup amusé. J'espère vous avoir fait amuser vous aussi si vous avez été viewer. J'ai eu des messages de soutien, j'ai eu des gens qui étaient contents, j'ai eu des gens qui... Bref, voilà, ça m'a fait super plaisir. Au final, bon, on n'a pas eu de tête de viseur, mais voilà, on a passé un bon moment. C'était une super ambiance, et par rapport au dernier live où j'ai vraiment gueulé... D'ailleurs, je pourrais vous repasser un extrait maintenant de mon dernier live qui a été un pur échec. On rentre à la base, au final, on a fait 2 heures de live. Oui, 2 heures, je crois. Ouais, enfin, à peu près, quoi. On a fait ça pour rien, il y avait personne. Je vais arrêter le live, comme ça Blitz va pouvoir se coucher plus tôt et voilà. Et moi je pourrais jouer à Far Cry 4. Et écouter Energy même, et oui. Je me prive d'écouter Energy pour faire un live pour qu'au final personne ne regarde. Bah ouais, c'est dommage, mais je vais pas faire un live pour rien. C'est bon, 1h20 de live pour rien. Mais voilà, ce live maintenant a été une pure réussite. Et donc je vous laisse avec la rediffusion. Encore une fois, merci beaucoup, vous êtes top. Rendez-vous samedi 28 si vous voulez aussi. 21h30, toujours sur Twitch. Allez, ciao tout le monde, merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Mkolo, et voilà, j'espère que vous allez bien. Et donc, bah, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live sur la série Le Monde de Mkolo. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre parce que je sais qu'il va y avoir des gens que je connais IRL qui vont rejoindre le live. Et c'est assez stressant. Bref. Donc, nous sommes dans... Alors, bon, je vais expliquer le planning directement. Alors déjà, il y aura une rediffusion à ce live. Et d'ailleurs, la particularité de cette rediffusion, c'est que ce sera en face commentary. Puisque j'enregistre avec ma GoPro actuellement. Donc, ce sera en face commentary lors de la rediffusion. Et évidemment, en meilleure qualité. Malheureusement, pour mes lives, eh bien, la qualité n'est pas exceptionnelle. Mais bon, bref, passons. Donc là, le live, donc, il commence à 21h30 et jusqu'à 23h, ou peut-être qu'on arrêtera avant, ça dépendra si je rage quitte ou pas. Eh bien, on va chercher, enfin, on va essayer de chercher des têtes de Wither, puisque bah, le but de cette série, Le Monde de Mkolo, c'est de combattre le Wither Boss, et donc on a besoin de têtes de Wither. Et après 23h, eh bien, on ira sur des serveurs, notamment Fluity. J'espère qu'à 23h, il y aura plus de monde. Et j'espère qu'il n'y en aura pas moins. Et donc, j'espère qu'on va s'amuser sur Fluity, tout ça. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Par contre, je sais pas si le son, c'est bon. Je sais pas si le son du jeu est bon, si le son de la musique est bon, si on m'entend suffisamment. Je sais pas, je vais juste m'écouter 2 secondes. Et après 23h, eh bien, on ira sur des serveurs, notamment... Alors, j'ai l'impression qu'on n'entend pas assez la musique. Donc je l'augmente un tout petit peu. Voilà, donc durant ce live, vous pourrez me poser des questions. Voilà, vous pourrez interagir dans le chat, etc. Par contre, je vois plus le nombre de viewers. Donc on est 6 personnes, donc c'est cool.
Ça fait plaisir. Et donc, on va pouvoir commencer. Déjà, je dois des explications. J'ai fait un truc en off, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire en off. C'est que j'ai voulu faire une poubelle en cactus. Et du coup, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû découvrir. À savoir... Merde, je viens de tout détruire. Ok. Bon bref, je vais pas creuser plus, mais j'ai trouvé une... le live il a crashé ou je rêve là? Ah non d'accord, j'ai cru. J'ai trouvé en off, je suis en train de bégayer. J'ai trouvé... un mineshaft, voilà, j'ai trouvé un mineshaft. Et donc je l'ai exploré, donc du coup j'ai pas mal de choses sur moi, notamment du diamant et tout, donc... Bref. Voilà, c'était la petite nouvelle du jour. Et donc c'est pour ça que j'ai autant de choses sur moi. Voilà. Par contre pour remonter ça va être un peu la galère. Donc qu'est-ce que j'ai fait en off aussi par rapport au dernier épisode? Eh bien j'ai fait pousser des arbres enfin. Voilà, j'ai fait pousser des arbres autour de ma maison. Donc si c'est pas magnifique ça. On se sent plus en sécurité, plus à l'abri. C'est plus peinard, c'est plus tranquille. Et sans plus tarder on va aller dans le Nether. Le portail qui n'est plus là. Ah oui c'est vrai que je l'ai déplacé. J'ai déplacé le portail. Donc il doit être, voilà, il est là le portail. Donc on va aller voir où c'est que ça mène, si ça nous emmène pas à un nouvel endroit ou quoi. Attention. Non c'est bon, on est toujours au même endroit. J'ai oublié de prendre des blocs, bien évidemment. Tant pis, on va devoir en casser. Hein. C'est pas grave. Donc allez, c'est parti, on va chercher des têtes de viseur. Je suis très confiant là, aujourd'hui vraiment, je sens qu'on va en avoir. Là je pense qu'on va en avoir, c'est presque obligé. À tous les coups là, je suis très confiant. On va juste remettre un peu de musique. Genre ça. Bref. Donc là évidemment on est dans le Nether, la musique ne va pas du tout avec l'ambiance. Waouh! Vas-y. Oh putain. Est-ce qu'il a drop? Oh non mais ça c'est la tristesse. Ne me dis pas qu'il a drop dans la lave ou qu'il a pas du tout drop. Ok donc ma pioche qui casse à une vitesse hallucinante. Ah! Oh mais j'ai récupéré l'alarme de gaz, c'est bon. Ah j'ai peur. Bon, ça y est. On est enfin dans le feu de l'action. Si ça se dit. Et on va tuer du viseur. Boss. Du viseur squelette, pardon. Voilà, je suis déjà fatigué, ça commence. Il faut un début à tout. Oh oui. Alors là, mon coco. Ok, donc il a pas loot. Là, on a une nouvelle chance. Par contre, je rage si on en a une. Putain, il est tombé dans la lave. Dragon Alpha, normalement, est censé nous rejoindre. Normalement. Si tout se passe bien pour elle. Ça, c'est un bébé pigman. Oui. Je sais plus ce que je dis, moi. PS, l'eau se transforme en vapeur à peine posée. La source n'apparaît pas, donc si tu brûles, tu ne sèches pas. Ok, donc merci pour ce renseignement. Je savais évidemment qu'on pouvait pas poser d'eau dans le Nether, mais je savais pas ce que ça faisait. Donc ça ne fait rien, d'accord. Oh, j'étais jamais allé là. Ça m'étonne un peu d'ailleurs qu'on était jamais allé là. Oh putain. Oh, vous aurez pu voir. Vous verrez dans la rediffusion la tête que j'ai tirée. Qu'on était jamais allé là. Oh putain. Wow. Putain, il a rien loot. Ah ça va me saouler vraiment là. Attendez, je retrousse mes manches et puis on va vraiment attaquer du base là parce que ça va me saouler. Attendez, on va monter. Si jamais on a une tête durant ce live, je fais la danse de la joie. Ouais, donc il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de faire un enchant niveau 30 sur une épée. Et donc on va le faire pendant le live. Enfin déjà il faut qu'on arrive au niveau 30. Et cette personne se reconnaîtra. Et si j'ai un enchant de merde, je vous jure que je vais m'énerver contre cette personne. Donc voilà. Hashtag Natei67. J'avais fait une vidéo donc sur Slender avec Blitz. Enfin il était là en vocal. Et j'avais dit si on atteint les 15 likes, et eh bien je fais la suite du Slender. Et il y a toujours pas 15 likes. Donc à la fois je suis content, à la fois je suis triste.
parce que je suis content, parce que pour le moment je suis pas en tête de continuer puisqu'il n'y a pas les 15 likes. Mais à la fois je suis un petit peu triste parce qu'il n'y a pas 15 likes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je voulais juste dire ça. Au cas où il y en a qui se demandaient ouais à quand la suite de Slender, bah quand il y aura les 15 likes. Voilà. Putain, j'ai mal au dos. Bref. On va aller à gauche. Il y a forcément quelque chose. Donc là, actuellement, il n'y a plus du tout de... Ah, là-haut. On va tester un truc. On va essayer de le buter à l'arc. Voir s'il n'y a pas une petite différence. Voilà. C'est qui ? Mal au dos. Ah, c'est qui mal au dos ? Oui, énorme. Ok, donc, pas de tête. Très bien, très bien, très bien. Pas de tête. Oh, putain de merde. Donc ça ne change rien. Non mais vraiment depuis la 1.8 là... Enfin les têtes de bizarre c'est chaud à avoir. Ok. On brûle pas. Fais une épée looting sinon. Ouais mais pour faire une épée looting... Enfin il faut quand même que... Ouais mais enfin je vais faire l'enchant niveau 30 et puis on verra si j'ai looting ou pas. Et puis au pire si j'ai de la merde tant pis. Oh oui. Yes, papa. Natai67, salut! Natai67, je viens de te faire une dédicace. Dragon Alpha, me voici enfin. Eh bien, salut à toi, Dragon Alpha. C'est cool. Dragon Alpha, le retour. J'avais envie de dire une connerie, mais je vais pas la dire. Donc là, en ce moment, je cherche des têtes de viseur. Dès que j'en ai marre, ou avant 23h, eh bien, on ira sur le serveur Fuluti pour faire des petits Fuluti shoot, des TNT run, tout ça, parce que je suis super fort sur Fuluti, évidemment. Et donc, voilà. Nicolas fait de belles roulades. Mais bordel, mais Enzouf, mais t'es qui ? Hop ! Ok, fail. Oui, c'est bon. Et il a loot une arme de Ghast, mais qui est allée dans la lave, évidemment. Putain. Bon c'est pas grave, on en a quand même une. C'est l'essentiel. Bon, retournons au vif du sujet. On était là pour des têtes de Wither. On est 8 personnes, bordel. Bah bonjour, bienvenue. On se fait un petit peu chier, hein, je veux pas dire. Mais là, vraiment, y a plus aucun... plus aucun Wither squelette. Ce qui est assez chiant. Ouais. Voilà. Il a pas compris. Il a pas compris. Ah, là-bas il y en a un, là-bas il y en a un. Là ça sent la tête là. Là ça sent la tête de Wither là. Vas-y, tac. Je vais rager. Donc Nathan va rager, très bien. Bah moi aussi, ça me fait un peu rager de pas savoir qui c'est cette personne. C'est une personne mystérieuse. Oh putain. Oh non putain, mais j'ai cru que ça avait loot. 10 personnes, oh là. Même si on n'a pas de tête, on gagne de l'XP. Donc du coup on va pouvoir faire l'enchant niveau 3. Pas de tête. Wow! Allez, va te Natai67. Quoi? C'est une devinette que j'ai pas encore compris pour le coup. Vas-y, hop, toi t'es mort. Y a pas loot de l'arme de Ghast à ce que je vois. 11! 11 personnes! Attendez, le 14 février, on se retrouve entre Célib XD. Oh là là, la Saint-Valentin, bref. Coup critique. Il a rien loot. Oh putain. Il me reste. Putain, je suis mort, les mecs. Les mecs. Really? Alors, waouh. Le soleil se lève à chaque fois. A chaque fois que je sors du Nether, le soleil se lève, c'est un truc de ouf. Vous allez voir à la rediffusion, c'est passionnant. Hein. On me voit en train de boire, mais bon, bref. C'est encore autre chose. Je suis en train de rigoler tout seul parce que je sais qu'à la rediffusion, ça va faire trop con de me voir boire. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai une paille verte en train de boire tranquille. Mais vous me voyez pas dans le live. Donc, je vais en 1-7-2. On fait une pause. Et je vous retrouve justement sur le serveur Fuluti, l'IP qui va être affiché. Juste après, dans quelques secondes. Et pour répondre à la question, tu bois quoi? Bah, je bois du iced tea pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà. Donc pause, voilà, juste tac. Donc le live reprend à 22h24.
Voilà, et on va mettre ici... voilà, bref, allez, on se retrouve juste après.